C'est comment les gars? Bon, je vais répondre à deux cancrés là. Voilà. Il dit, est-ce qu'avoir le nom Karamoko, ou bien Fofana, ou bien Darasuba, ou bien Fetigouzo, ou bien Crécheuse, est-ce que ça doit faire de vous des gens qui ne doivent pas réfléchir? Parce que moi, je me pose des questions et c'est sérieux là. Voilà des gens pour qui on se bat, des idiots à souhait pour qui on se bat, mais qui font semblant d'être cons ou ils sont cons. Voilà. Il y a un qui me dit non, va dans ta région parce que c'est là-bas que vous avez faim. Bon, ma région, il vient de l'Ouest. Voilà, c'est Ganoua. Même si vous dites, vous avez l'habitude de dire, ah, bêté paresseux, il n'y a jamais quelqu'un qui est mort de faim à Ganoua. Parce que nous, le riz là, nous, on cultive ça. Le riz là, que vous mangez, vous payez moins cher, c'est chez nous, ça sort. Voilà. Si les riz importés là coûtent cher là, ça coûte de vous parce que vous avez des terres arides. Donc nous, on se bat, on dénonce le prix du riz qui est cher là. Ça coûte de vous qui avez des terres arides au nord là-bas. Sinon, nous, allons. Donc, il était disant, si nous, on se bat pour que le prix du riz baisse, ça coûte de vous, les gens du nord, voilà, qui avez des terres incultivables, qui ne peuvent pas plus cultiver le riz là. Ça coûte de vous, on se bat. Donc, un moment donné, réfléchis. Voici ici, le gouvernement a pris un ticket comme quoi les véhicules de plus de 5 ans dépendent en Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas de transport. C'est vous qui faites transport. On a pris ce combat à bras le corps pour que vous ayez gain de cause. Mais comme des moutons, vous n'avez combattu. Au fait, on ne sait pas ce que vous voulez juste. Le truc que vous êtes juste idiot. Parce que tout ce combat, c'est pour vous, en fait. Sinon, moi, je suis bêté. Nous, on culture le riz. Voilà. Si le riz est monté, on s'en est monté à 30 000 ans. C'est vous qui allez payer. Non, on ne paye pas. Tu me dis, moi, nous, on est pauvres. Mes parents, ils ne vont pas devant la mosquée. C'est vous qui êtes les riches quand on voit vos parents devant la mosquée. Donc, à un moment donné, voilà. Sachez raison gazée et essayez de réfléchir. Parce que vers la fin, vous êtes des idiots. Des idiots à souhait. Voilà. Mais si vous avez de le dire, mais c'est un constat. Voilà. Parce que ce combat, c'est pour vous, on fait, c'est pas pour nous. Voilà. Même mes parents, ils culturent le riz. Le riz local. Donc le riz local, là, c'est nous qui cultive ça. Voilà, vous avez coutume à dire non, BT est paresseux, mais nous dans notre paresse là, on ne met pas de vin. Voilà, nous dans notre paresse là, on ne met pas de vin. Parce que nous-mêmes, du riz là, on mange ça. Et on cultive ça. Jamais quelqu'un est mort à Gagnon parce qu'il a eu faim. Mais par contre, chez vous là, c'est fonio, maïs, terre aride, il n'y a pas riz. C'est vous qui payez les 11 à 20 000, 30 000, malgré que vous êtes pauvres. Donc ce combat là, c'est pour vous en faire. Voici des clés de voiture, c'est vous qui êtes transporteur. On s'est battu pour que ouais, ça revienne à la normale. Mais malgré ça, vous nous combattez. Ça, c'est idiot, ça. Sinon, tout ce combat, c'est pour nous, on fait ça. Sinon, on s'en fout. Voilà, nous, chez nous, on n'a pas faim. Hein. Voilà, nous, on ne va pas devant mosquée pour mendier. Voilà, si c'est les deux incultas, ou bien les cinq incultas, ça vous épate. Petit con là.